Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir en fonction de votre position géographique. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Kerembessitude. À l'approche des élections groupées de décembre 2020, la République centrafricaine vibre au rythme d'une bataille juridique. Au menu des discussions, nous avons la proposition de loi sur la modification de la Constitution et la requête de l'opposition sur l'inconstitutionnalité de l'Autorité nationale des élections, en abrégé ANE. Pour en parler, nous avons au bout de la ligne, et cela depuis Bordeaux, Maître Joseph New. Maître Joseph New, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Rodrigue Maïté. Accepter de vous prêter à notre séance de questions-réponses est un honneur. Tout à fait, je suis disposé. Alors, sans plus tarder, Maître Joseph New, dites-nous où exercez-vous réellement, ou du moins en ce net moment, votre fonction d'avocat? J'ai toujours exercé dans un seul barreau, et ce depuis la date de ma prestation de serment, le 1er janvier 1996. J'ai eu mon CAPA à Bordeaux en décembre 1995, précisément le 6 décembre, et j'ai prêté serment en janvier 1996. J'ai fait mon stage toujours à Bordeaux et je suis inscrit au grand tableau en 1999, et j'ai exercé et j'exerce toujours ma profession d'avocat jusqu'à ce jour, mais avec une précision. Laquelle ? La précision, c'est que depuis 2013 précisément, j'ai eu quelques difficultés financières. Je n'ai pas pu payer mes cotisations à l'URSSAF à temps, j'ai eu des retards de paiement au niveau de la TVA, j'ai eu des retards de paiement au niveau de la caisse retraite, et ces différentes caisses, y compris les impôts, ont obtenu en redressement judiciaire. La procédure a continué, et en 2014, la procédure du redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. Alors, travaillez-vous en sous-traitance avec un cabinet de la place sur place, au niveau de Bordeaux? J'ai refusé de travailler comme avocat, collaborateur salarié. C'est mon choix. J'ai toujours travaillé en indépendant. Oui. Je suis titulaire de mon cabinet. Et depuis, pour l'instant, je ne travaille pas parce que j'ai eu plusieurs soucis à la fois. Après cette liquidation judiciaire, j'ai eu des soucis de santé. J'ai subi un accident vasculaire cérébral. On appelle cela communément AVC. Et mon retour de Bangui en février 2016. Et donc, je suis encore plus ou moins en convalescence, mais la rééducation est terminée. En ce qui concerne la reprise de mes activités, ce sera pour bientôt. Est-ce parce que vous êtes en redressement judiciaire ou alors que vous avez été victime d'un AVC que vous n'exercez pas, ou c'est quoi? Parce que de l'autre côté, on a huit dires. Et ça, sans passer sur le dos de la cuillère, nous avons eu sur notre antenne la semaine dernière Maître Nicolas Tiangaï qui nous a dit, qui a dit sur notre micro, sans sourciller ni bégayer, que vous avez été radié du barreau de Bordeaux. Est-ce vrai? Monsieur Rodrigue Maïté, j'ai suivi l'intervention de Monsieur Nicolas Tiangaï personnellement. Oui. Il a dit sans trembler. Il l'a dit, il a affirmé sans se gêner. Peut-être qu'il a d'autres preuves que moi je ne détiens pas. Mais en tout cas, cela me concerne. Il s'agit de ma vie privée professionnelle. Je suis le premier bien placé pour parler de moi. Je vous ai dit que lorsque mon cabinet a été
placée ou admise en liquidation judiciaire, j'ai pris la décision de solliciter de mon bâtonnier une omission temporaire du barreau pour me permettre de s'occuper convenablement de ma procédure et de revenir après la clôture. Oui, mais conviendrez-vous avec nous, Maître Joseph Niou, que lorsqu'il y a le flou, il y a un doute qui plane quelque part, et Maître Nicolas Tchangaï n'est pas le seul à le dire. Nous avons trois centrafricains qui vivent à Bordeaux, qui nous l'ont dit également sans sourciller ni bégayer, s'il faut reprendre le terme. Est-ce que c'est vrai? Ou alors dites-nous comment vérifier que vous n'êtes pas radié du barreau de Bordeaux? Sur quel lien, à qui prendre attache pour le savoir, pour attester ou du moins attester la véracité de ce que vous venez de dire? Tout à fait, monsieur Maïté. Alors que je vous disais que j'étais admis en liquidation judiciaire en 2016, je suis allé à Bangui solliciter mon inscription au barreau de Centrafrique. Mmh. Le bâtonnier de l'époque, je le nomme Hilaire Zoumaldé, à l'époque bâtonnier de l'ordre des avocats de Centrafrique, dans le cadre d'une enquête de moralité, a saisi l'ordre des avocats de Bordeaux pour avoir des précisions sur l'exercice de mon ministère d'avocat. Le bâtonnier de Bordeaux a répondu en 2017 au bâtonnier Hilaire Zoumaldé, lequel, après avoir reçu les précisions qui lui ont été apportées par l'ordre des avocats de Bordeaux, a reçu ou accueilli favorablement ma demande d'inscription au barreau de Centrafrique. Donc, si j'étais un avocat radié du barreau de Bordeaux, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux ne se permettait pas de dire autre chose que d'indiquer à monsieur le bâtonnier Hilaire Zoumaldé que ce monsieur, on ne le connaît pas, il n'est pas de notre barreau, car il est radié. Ça n'a pas été le cas. Alors, au-delà de toutes ces supputations qui vont bon train, vous êtes un juriste, vous êtes juriste de formation. Alors, récemment, vous avez écrit une tribune titrée « La Cour constitutionnelle doit rejeter la requête des partis politiques de l'opposition centrafricaine ». Sur quoi êtes-vous basé exactement pour réclamer à corps et à cri à la Cour constitutionnelle le rejet de la requête de l'opposition? Je n'ai pas écrit à la Cour constitutionnelle. Ça a été une tribune, hein, que vous avez publiée. J'ai écrit un article. Ah, mais c'est pour ça que je parle d'une tribune. Qui peut être lue par tout le monde, y compris les conseillers de la Cour constitutionnelle. Tout à fait. Vous m'avez dit quelles sont les bases, le fondement sur lequel je me suis appuyé pour faire de telles affirmations. Tout à fait. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler, M. Rodrigue Maïté, que dans les propos de M. Tchangaï, il vous a demandé de solliciter de moi des précisions sur le fondement juridique qui m'a amené à faire de telles affirmations. Vous n'allez pas lui répondre directement puisque nous avons prévu toute une batterie de questions, de questionnements qui vous emmèneront certainement sur cette voie. Donc, répondez directement à notre première question, je vous en prie. Je ne lui réponds pas directement. Tout à fait. Donc, merci. Il s'agissait d'une invitation et qu'il attendait de moi de préciser le fondement de mon affirmation. Je pense qu'il est respectueux pour quelqu'un qui est mon aîné, même s'il ne considère pas comme son confrère. Mais quand un aîné demande à son cadet des précisions,
J'ai donc l'obligation d'apporter ces précisions à M. Nicolas Tchangai. Ça marche. Voilà. Pour arriver à cette affirmation, je me suis planché sur la constitution de notre pays du 30 mars 2016, sur la loi électorale de 2013, sur la loi orthocode électorale de 2019. Et sur la lecture que j'ai faite de la lecture, sur la lecture que j'ai faite de la requête, pardon, déposée par M. Tchangai et d'autres confrères devant la Cour constitutionnelle, lui demandant de déclarer anticonstitutionnelle la loi portant code électoral du 20 août 2019. Alors, selon le code 2020, l'actuel ANE avait été créé par une loi. La constitution du 30 mars 2016 n'abroge-t-elle pas cette loi qui a mis en place cette ANE? Je vous en prie, M. Rodrigue, qu'est-ce que vous appelez le code 2020? Il s'agit de quoi? C'est la plateforme de l'opposition. Ah! Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Selon cette plateforme, l'ANE, l'actuelle ANE, avait été créée par une loi. Et alors? La constitution du 30 mars 2016 n'abroge-t-elle pas cette loi qui a mis en place cette ANE? Mais la requête des avocats qui ont saisi la Cour constitutionnelle est très bien rédigée. La requête, elle est claire et nette. Dans la requête, les avocats précisent ceci. La constitution du 30 mars 2016 a élevé l'ANE au rang des institutions de la République. Ils ont précisé que cette ANE devait être mise en place par le pouvoir en place dans un délai de 12 mois qui suivait l'investiture du président de la République à Coinfossère, Toadera. Il précise que au moment où je vous parle, selon eux, l'ANE qui est instituée par la Constitution centrafricaine de 2016 est régie sur la base des textes anciens, notamment des dispositions de la loi du 13 novembre 2013 portant code électoral. Il considère que la loi électorale du 13 novembre 2013 a été abrogé par la constitution du 30 mars 2016, le fait pour le législateur de faire référence, c'est-à-dire que le fait qu'on retrouve dans le code électoral de 2019 une référence aux dispositions de l'ancienne loi du 13 novembre 2013 fait que cette loi portant code électoral de 2019 est anticonstitutionnelle parce qu'elle fait référence à un texte qui a été abrogé par la constitution du 30 mars 2016 selon eux. Et moi je dis qu'ils ont tort de penser cela. Expliquez-vous. La loi
portant code électoral du 13 novembre 2013 n'a pas été abrogé par la Constitution du 30 mars 2016. Vous conviendrez bien avec moi. Et je demande à mes compatriotes qui suivent mon intervention de bien garder à l'esprit que dans la Constitution du 30 mars 2016, vous ne trouverez aucune disposition vous indiquant clairement que cette Constitution abroge la loi portant code électoral du 13 novembre 2013. Et pour cause, contrairement à ce que affirment les avocats des partis politiques de l'opposition. 1. L'ANE, qui est instituée par la Constitution du 30 mars 2016, n'a pas du tout élevé l'ANE au rang des institutions de la République. 1. 2. La Constitution du 30 mars 2016, comme je le disais tantôt, n'a pas abrogé les dispositions du code électoral du 13 novembre 2013. 3. Le fait pour le législateur actuel de prendre une nouvelle loi du 20 août 2019, laquelle fait référence aux articles 6 et 7 de l'ancienne loi portant code électoral du 13 novembre 2013, montre à suffisance que l'ancien code électoral n'est pas un texte contraire à la Constitution du 30 mars 2016 et que le fait pour le législateur de réceptionner ce texte antérieur est tout à fait constitutionnel. Oui, mais maître, oui. Pour être clair, en droit constitutionnel, il n'y a pas de constitution à effet abrogatoire absolu, tel que l'affirme M. Nicolas Tiangaï et d'autres avocats. En droit constitutionnel, lorsqu'une constitution contient une disposition qui dit que cette constitution abroge tous les textes antérieurs contraires, on parle d'une constitution à effet abrogatoire, exprès ou explicite. Nous y reviendrons, maître Joseph Nyou. En lisant votre article toujours, vous attachez beaucoup d'importance au rôle de l'Autorité nationale des élections et vous dites que puisque son rôle n'a pas changé, ça ne peut pas être une institution. Je prends l'exemple Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'ANE est une institution. L'ANE instituée par la Constitution du 30 mars 2016 est une institution administrative de l'État et non une institution de la République. Et l'ANE instituée par la loi, elle est? L'ANE instituée par la Constitution du 30 mars 2016 est simplement une autorité. C'est pas moi qui l'invente, c'est la Constitution qui dit. La Constitution désigne l'organe qui s'occupe du déroulement des opérations électorales comme une autorité. Ça veut dire que vous semblez reconnaître que Il y a une différence entre l'ancienne ANE et celle prévue par la Constitution. Bien au contraire, je ne
ressemble pas. Je suis en train de vous dire que l'ANE de 2013 a les mêmes, est de même nature et, de, et les mêmes attributions que l'ANE qui est instituée par la Constitution du 30 mars 2016. Parfait. Alors, donc, vous dites que l'ancienne ANE et la nouvelle ont les mêmes attributions. Absolument. Alors, justement, c'est ça. Je prends l'exemple de la Cour constitutionnelle. Monsieur Rodrigue Maïté, oui. Non seulement les mêmes attributions, mais elles ont la même nature. Même nature. Alors, c'est là où le débat devient intéressant, Maître Joseph Nu. Je prends l'exemple de la Cour constitutionnelle. Son rôle est, si je ne me trompe pas, est le même que celui de la Cour constitutionnelle de transition. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si vous m'avez suivi à l'époque, j'ai fait une conférence sur les organes de la charte constitutionnelle. Oui. Mais la charte constitutionnelle n'est qu'une constitution. Vous êtes d'accord avec moi que la Cour constitutionnelle de la transition et celle de l'actuelle Cour constitutionnelle, les deux ont toujours les mêmes attributions, les mêmes rôles. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la Cour constitutionnelle, sous la charte constitutionnelle, oui. Nous vivons aujourd'hui. Mais joue le même rôle. Alors, comment interprétez-vous, puisqu'il joue le même rôle, comment interprétez-vous le seul fait que le président s'est dépêché de mettre en place cette Cour constitutionnelle alors qu'elle n'a pas fait pour il ne l'a pas fait pour l'Autorité nationale des élections? Mais vous me posez la question, cette question, il faut la poser au président de la République. C'est lui qui est le juge de l'opportunité de la mise en place des instruments politiques. Donc, sur le plan politique, il a jugé de l'opportunité de le faire comme il l'a fait. Ce n'est pas à moi de répondre à sa place. Alors, si on est d'accord que l'ANE, telle que instituée par la Constitution, est une institution, donc il va falloir à un moment donné l'autorité nationale, le président de la République, doit l'instituer, doit faire en sorte qu'une loi organique puisse l'instituer. Vous êtes d'accord avec nous? Non, ce n'est pas question d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Nous devons être clairs sur les choix des mots. OK. Je pense que beaucoup d'entre nous sont influencés par les termes. OK. Et beaucoup ne maîtrisent pas les contours de ces termes-là. Mais quand on parle d'une institution, ça veut dire quoi une institution? On va enlever le mot institution parce que ça gêne beaucoup. Une institution est une structure, est une création. Tout simplement. Alors nous allons amplifier, ne vous en faites pas, nous allons amplifier le débat. Non. À tel enseigne que vous aurez plus de temps pour vous exprimer comme il se doit. Alors si moi j'ai bien compris, il y a un autre point sur lequel vous n'êtes pas d'accord avec le code 2020. Et ce point est l'effet de la Constitution. Vous contestez l'analyse du code 2020 selon laquelle la nouvelle Constitution abroge les anciennes dispositions concernant l'Autorité nationale des élections. J'ai essayé un tout petit peu de fouiner dans la Constitution. Et j'ai trouvé que l'article 57 de la Constitution dit, je cite, « La législation résultant des lois et règlements applicables dans l'État centrafricain à la date de prise d'effet de la présente Constitution reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle-ci tant qu'elle n'aura pas été modifiée par voie législative ou réglementaire. » Pouvez-vous dire à nos auditeurs, auditrices, qu'RMBSOIS, avec des mots simples, ce que cela signifie, Maître Joseph Nu? Simplement, je veux dire ceci. Cela me conforte dans ma position. Votre lecture me donne totalement raison. Nous sommes en présence
l'existence d'une constitution à effet abrogatoire implicite. Ce qui veut dire que des textes antérieurs qui ne lui sont pas contraires, des textes antérieurs qui ne lui sont pas inconciliables, restent en vigueur. Je vous rappelle ceci. Sous le code électoral du 13 novembre 2013, l'AME est désigné comme un organe technique. N'est-ce pas? Oui. Dans la constitution du 30 mars 2016, la constitution pour le législateur vous dit ceci. Il est institué une autorité qui a la charge du déroulement des opérations électorales. Mais la Constitution, en indiquant qu'il est institué une autorité, est en train de dire la même chose que nous avions sous le code électoral de 2013. C'est-à-dire, la Constitution en 2016 est en train de nous dire que il s'agit d'une institution administrative qui a la charge de veiller au bon déroulement des élections. C'est la même chose en 2013. En cela, le code électoral de 2013 n'est pas contraire ni à l'esprit, ni à son esprit, ni à sa lettre. J'entends la constitution du 30 mars 2016. Donc, la loi électorale de 2013 est une norme qui n'est pas contraire à la constitution de 2016 et qui est conciliable à la même constitution. Donc, cette constitution ne peut pas abroger un texte qui n'est pas contraire. Oui, mais maître Joseph... Oui, maître Joseph Niou, la Constitution prévoit, tout comme dans le cas de la Cour constitutionnelle, le Conseil économique et social, la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, le Haut Conseil de la Communication, qu'une loi organique doit être prise pour mettre en place l'ANE, j'allais dire la nouvelle ANE. La loi organique concernant les autres institutions a été adoptée dans le délai d'un an. Celle concernant l'ANE n'a pas été jusqu'à ce jour. Est-ce qu'on ne peut pas dire quelque part qu'il y a un manquement à la Constitution dans ce cas-là? Mais vous voyez très bien dans la requête des avocats des partis de l'opposition, ils ont pris le soin d'indiquer que le fait pour le pouvoir en place de ne pas mettre en place l'ANE dans le délai de 12 mois, tel que recommandé par la Constitution, est un acte de haute trahison et ils ont raison. Ah, vous leur donnez raison? Oui, sur le fait qu'ils considèrent oui, que l'absence de la mise en place de l'ANE dans le délai prévu par la Constitution est un cas de haute trahison, ils ont tout à fait raison. Mais là n'est pas le débat. Ok. Là n'est pas le débat. Ils ont tout à fait raison de le dire. D'ailleurs, la Constitution elle-même indique une liste des faits considérés comme des faits de haute trahison. Et vous remarquerez que la non-mise en place de l'ANE dans les délais prescrits est un cas de haute trahison. En cela, je dis qu'ils ont raison. Mais le débat qui nous occupe ici, c'est l'inconstitutionnalité soulevée par eux devant la Cour constitutionnelle de la loi portant code électoral. Il ne faut pas qu'on se trompe du débat. Ici, il s'agit de ça. Et moi, j'ai dit, il faut faire très attention. Parce que demain, il y a une audience devant la Cour constitutionnelle. Les avocats le savent. Je ne peux pas leur faire offense de leur façon de travailler. Ils s'entraînent devant la Cour constitutionnelle. On y va pas pour aller plaider comme devant un juge judiciaire.
On va devant la Cour constitutionnelle pour faire des observations. La Cour constitutionnelle fonctionne comme le tribunal administratif, comme le Conseil d'État. Ces juges-là jugent sur les écritures que vous avez précédemment déposées. Et quand vous venez pour soutenir vos écritures, vous ne faites que des observations. Vous ne venez pas pour prendre le temps au conseiller de la Cour constitutionnelle. Donc, la requête déposée limite déjà pratiquement les débats. Il même cristallise le débat. Demain, devant le juge, il n'est pas question d'aller là-bas faire des interprétations. Parce que la Cour constitutionnelle est invitée, n'est pas invitée à interpréter la loi. La Cour constitutionnelle est invitée à constater. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire la Cour constitutionnelle, vous venez devant lui, vous dites que cette loi n'est pas conforme à la Constitution. D'accord. Que la Cour constitutionnelle va d'abord regarder la loi en question. Repart regarder la Constitution. Et en l'espèce, il s'agit d'une raison qu'ils ont soulevée. Cette loi n'est pas constitutionnelle parce que elle fait référence à la loi portant, anciennement portant code électoral de 2013, qui, selon eux, est abrogée. Mais le juge va regarder la loi portant code électoral du 13 novembre 2013. Il va prendre cette loi, il va lire. Il va prendre la Constitution. Il va prendre la nouvelle loi. Mais le juge va remarquer que le code électoral de 2013 n'est pas contraire à la Constitution. Et la Constitution dit la même chose que la loi de 2013. Et la loi portant code électoral fait référence à l'ancienne loi. Êtes-vous maître Joseph New? Êtes-vous en train de trancher en lieu et place des juges de la Cour constitutionnelle? Mais si j'ai donné un avis contraire à M. Tchangaï et mes autres confrères, mais c'est pour leur dire que je me suis placé à la place du juge, pour leur donner un tort. C'est un travail de réflexion. C'est un travail juridique. Cette réflexion ne se limite pas seulement dans les procédures, jusque dans les prises de décision. Mais non. Mais vous savez très bien qu'en droit, il y a ce qu'on appelle des doctrines. Les doctrines, ce sont des théories, des pensées juridiques énoncées par les grands juristes. Et ces pensées juridiques, ces théories, peuvent influer les juges. Et c'est comme ça que le droit, c'est mon site. C'est comme ça que le droit évolue. Génial. Nous allons sortir un peu des arcanes de l'ordonnancement juridique qui nous a préoccupés tout au long de cette interview. Nous avons constaté de l'autre côté que vous avez aussi une autre casquette. En 2014, vous avez fait acte de candidature pour la magistrature suprême de la transition. C'était en 2014, et puis donc après ça, on n'a pas entendu parler de vous. Êtes-vous un homme politique circonstanciel ou vous êtes constant dans votre combat politique? Je vous remercie, monsieur Robin Maïté. Effectivement, tu sais, j'ai toujours fait de la politique. Je dirais que je suis tombé dans la politique très jeune. Parce que mon oncle, à l'époque, qui m'a élevé pendant plusieurs années, qui n'est plus de ce monde, M. François Adam, a été plusieurs fois ministre de Bokassa. Il a même été deuxième ministre, premier ministre de Bokassa. Vivant sous son toit, ce monsieur a été pour moi un modèle, il m'a influencé. Je peux vous avouer que si aujourd'hui j'ai fait les études de droit, c'est parce que mon oncle était juriste, il était magistrat de formation. Et, quelque part, il m'a influencé. Par la suite, j'ai toujours milité dans les mouvements des étudiants. Pour ceux qui me connaissent,
quand j'étais encore étudiant à l'université de Bangui, j'étais le secrétaire général de l'ANECA. Et par ailleurs, pour ceux qui me connaissent aussi, j'ai été élève au lycée d'État des Rapides. J'ai été toujours délégué de ma classe, du lycée jusqu'à l'université. C'est pour vous dire, monsieur le Rodrigue, que je me suis toujours mis devant pour la défense des intérêts collectifs. Et en politique, finalement, je n'ai pas pris une carte d'un parti politique. Mais j'ai beaucoup travaillé avec plusieurs partis politiques africains. J'ai travaillé en tant que président du MUR, qui est le mouvement pour l'unité et le renouveau, sous le patronage de Jean-Paul Ngoupane, juste à sa mort. Et à cette époque-là, nous avons fait un travail de titan. Oui, mais Maître Joseph Ignou, vous avez apparu en 2014 pour faire acte de candidature et après, vous avez disparu. Vous allez encore réapparaître en 2021 pour faire un autre acte de candidature. Où ça va se passer? Comment? Comment situez-vous votre posture politique? Les Centrafricains aimeraient bien le savoir. Merci beaucoup, M. Rodrigue-Maïté. Pour continuer mes activités politiques, je vais créer à Bordeaux, et cela est vérifiable sur le journal officiel de la République française, un mouvement politique centrafricain dénommé MPCA, le mouvement patriotique centrafricain, avec devise unité, justice, travail. C'est un parti politique. C'est une association politique. Une association politique. Et donc, ça va être encore une association politique de trop qui viendra rallonger la liste inextinguible des associations, des partis politiques de Bangui. Mais je ne me plains pas de la longueur des associations politiques. Le foisonnement de mouvements politiques ou des associations politiques exprime quelque chose. Exprime le désir de la démocratie. Exprime le désir de la participation des enfants de ce pays. À la cause nationale. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui se plaignent des nombres exagérés des partis politiques ou des mouvements politiques. Quand est-ce que Maître Joseph Liu sera dans l'arène politique pour croiser le fer du débat politique avec les autres leaders de la République centrafricaine? Mais comme j'étais en train de vous le dire, mais j'ai été de tous les combats politiques en République centrafricaine. Je vous avais dit tantôt que j'ai travaillé auprès de M. Jean-Paul Ngoupane jusqu'à sa mort. Je suis le président du MUR. C'est un mouvement politique qu'il a initié en France aussi, parce qu'à l'époque du président Patassé, il y a eu beaucoup de difficultés avec le PUM. Il était menacé de mort. Il était obligé de revenir en France. Et c'est aussi que nous avons mis en place le mouvement pour l'unité de l'Europe, qui dirigeait avec moi, j'étais le président en exercice, il était le président d'honneur, jusqu'à sa mort. Après, j'ai travaillé pour le compte du parti politique de l'époque qui était dirigé par Éloi Andimaté, la Convention nationale. Ce parti politique m'a fait l'honneur de m'appeler à Bangui pour participer à la rédaction de la Constitution sous la présidence de M. Patassé. Donc, celui qui vous parle aujourd'hui est l'un des rédacteurs de cette Constitution de 1994. Donc, nous avons fait une belle Constitution qui a été approuvée en plénière, et tout le monde sait que la Constitution
sous la présidence de Patassé était une bonne constitution rédigée exclusivement, j'entends le dire, exclusivement que par les compatriotes centrafricains. Génial. Alors, Maître Joseph Niou, votre dernier mot, puisque notre émission tire vers sa fin. Je suis toujours président du mouvement patriotique centrafricain. Oui. Il m'a été signalé que certaines personnes se passent pour être président du même mouvement que moi. Mm-hmm. Je dis que faut faire attention, je vais vérifier. Il y a des esprits malins. Mm-hmm. Pour peut-être mon état de convalescence. Mm-hmm. Parce que par ailleurs, j'avais eu ce problème professionnel, je vous ai dit, que mon cabinet a été mis en liquidation judiciaire. Mm-hmm. Les informations ne sont pas encore clôturées à ce jour. Mm-hmm. J'ai fait un accident vasculaire cérébral parce que je suis revenu de Bangui. Mm-hmm. Donc je suis resté longtemps en convalescence. Est-ce que quelqu'un a profité de mon absence pour initier des démarches hasardeuses auprès de la préfecture de Bordeaux? Pour l'instant, je ne peux pas l'affirmer, mais je vais essayer de vérifier pour éclaircir cette situation. Mais juste après le contraire, je suis et je demeure toujours le président du mouvement patriotique centrafricain, mouvement politique créé par moi-même le 2 novembre. Maître Joseph Niou, merci. Merci beaucoup, monsieur Rodrigue Maïté. Sur ce, notre émission tire à sa fin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers auditeurs, auditrices, kérembessois, kérembessoises, nous remercions Maître Joseph Niou pour sa disponibilité et nos auditeurs et vous, justement, pour vos interactions. Nous vous donnons rendez-vous demain à 19h. Pour notre analyse décryptage du mardi soir, à la fois sur KRMBC et sur KRMBCitude. Venez nombreux. Venez vraiment nombreux pour nous suivre. Il y aura beaucoup de révélations pour vous. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt. C'était Rodrigue Joseph Prudence Maïté. Au revoir. Au revoir.